et président Jovenel Moïse dans un discours vidéo dans l'occasion 75e Assemblée générale Nations Unies prend la parole côté que lui prend responsabilité pour mettre dans le pays à la paix, la stabilité et le développement durable pendant que lui annonçait par devant le monde que lui mettait sous pied un nouveau conseil électoral provisoire qui prend gain pour organiser bon gens élections. Dans le pays, nous invitons à suivre l'intégralité et discours président Jovenel Moïse, voué dans les Nations Unies aujourd'hui. Monsieur le président de l'Assemblée générale, monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de son Excellence M. Volkan Bouskir, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général M. Antonio Guterres pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du COVID-19. Ses conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violent, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces 10 dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier
sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à sa tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale, désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du secrétaire général qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation. Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du 21e siècle. À cet effet, j'encourage tous les États à s'engager dans le cadre de cette déclaration que nous nous apprêtons à adopter, non seulement à développer une compréhension commune et à mener des actions collectives dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, mais aussi à accélérer la mise en œuvre des programmes d'action qui soient conformes aux trois piliers des Nations Unies, le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme. Aux États membres, pendant que je présente mes sincères condoléances aux pays qui ont été très affectés par la COVID-19, je tiens à remercier tous les pays partenaires qui ont aidé l'État haïtien à faire une bonne gestion de la pandémie, en particulier la République de Chine-Taïwan. Il est temps que le monde reconnaisse le droit à l'existence de cette nation et lui accorde la place qu'il faut dans les instances internationales, particulièrement à l'ONU. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais en cette occasion exceptionnelle inviter l'Assemblée des États membres à réfléchir et méditer sur cette affirmation lapidaire, mais combien cruciale pour l'avenir de la paix, du développement et de la sécurité dans le monde, de Wilfred Jenks. Le choix est simple, mais brutal. Ou bien nous vivons ensemble, ou bien nous périrons ensemble. Je vous remercie. C'était intégralité discours vidéo que président Jovenel Moïse
te voye nan Nations Unies nan okasyon 75e Assemblée Générale la kap déroulé de façon virtuelle. Pendant que président Jovenel Moïse tap annoncé par devant le monde que genyen yon nouveau conseil électoral provisoire kap gen pou organiser élection nan PIA, te genyen plusieurs organisations qui proche opposition qui était planté piquette devant bâtiment qui logeait ambassade américaine dans Port-au-Prince jeudi 24 septembre 2020 pour dénoncer sa yorele ingérence les États-Unis dans politique pays. Correspondant nous Massado Ville mettait sous place la fait nous vivre ambiance là devant ambassade américaine dans Port-au-Prince. Mante kon Haïtien ototi, jodi a nou vin la. Pou di Ameriken, kom li di, tout moun ki vle kanpe an fas, ka epe krey la, an fas, seleksyon chanpren la, li di la konsant son koto. Men nou men jodi a nou vin la, nou mande, kom debi piti, nou konen ya konsant son koto nou. Debi nou fet, nou sou sanksyon. Men nou pa be sanksyon. Quelle que soit la sanction, yo réservé pour nous. Déjà, yo mettez nous dans la misère. Yo rougi nous dans la misère. Depuis nous fait, yo exploité nous. Toutes mine nous, yo. C'est ça, yo fait nous. Même pour yon volé d'indépendance, nous, yo avez choisi, yo nous sanction de nous payer. Parce que jodi a là, nous sommes peuple souverain. Les États-Unis, pas qu'à passer nous l'autre. N'a dit Madame Lalinde, n'a dit Madame Susson, n'a dit Donald Trump, yo qui est États-Unis. Si Jovenel Moïse bon tout bon prêt, j'ai offert élection 3 novembre non, pour installer dans les États-Unis, laisse ça. L'affaire États-Unis qui est gratuite, États-Unis a toute merveille quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Jovenel Moïse a parlé de réélection pendant l'élection, pas possible dans le pays. A qui peut dire pendant ce temps, on a appelé la garde de ghetto. Ghetto a qui est sérieux. Massacre la Saline, massacre Belé, massacre tout 4 pays pendant Jovenel a parlé de l'élection. Jovenel Moïse, c'est pas première élection de Gepou qui était. Même une élection ancien CFP qui était là, qui allait. Tout ça, c'est une élection indirecte qui a fait. Jusqu'à présent, le résultat de l'élection ça a fait maintenant petit mois par le national. Il n'y a pas publié le résultat de l'élection. Je dis à là, vous avez un mandat 51e législature qui commençait déjà depuis le côté que 50e législature est parti. Vous avez un mandat. Tiens dans le Sénat qui commençait déjà. Vous gagnez un mandat magistrat qui commençait déjà. Je dis à quoi vous êtes agent intérimaire. Je dis à nous dire élection, c'est un gouvernement de transition. Cabinet d'un pays qui vous une faire élection. Nous ne pouvons pas faire campagne. Climat pas propice pour élection faite. Donc devant caméra correspondant à Port-au-Prince, Massiado Vilme, c'était un sitting qui était fait devant l'ambassade américaine. Non, Port-au-Prince côté manifestant, yo tap dénoncé ça y aurait l'ingérence les États-Unis dans politique pays d'Haïti. Mes amis, attention pas qu'à mettre corvée et corps, n'a pas pause avant nous entrer dans l'autre point qui a dominé l'actualité. Problème non, dit que son incident qui regrettable. Numéro 1, Koula a expliqué qui j'en yon processus fait pour capable déposer yon dossier pendant que dit que l'Ligue pour le réunir avec l'autre collègue pour le connaître qui suite que la baye à dossier ça. Nous avons déposé un contrat dans le pouvoir, gagné plusieurs étapes. Nous gagnons une réception, il y a deux réceptionnistes là-dedans, qui recevront un dossier pour accuser de réception. Les réceptionnistes ont fini pour accuser de réception, ou pour aller. Réceptionniste là, nous continuons à faire parcours, faire cheminement pour le dossier arriver, côté pour arriver, pour le traiter. Moi-même, c'est parmi les gens qui ont dossier arrivé, même en dernier. Là, nous déplacons dans le garde, nous avons le ministre Nader, il a gagné plusieurs personnes avec elle, notamment des personnes qui avaient caméra, avec effigie de graffiti, de effigie de TNH, de Téléguinée. Il y a l'autre monde qui a une caméra dans les mains, qui a un téléphone, qui a fait photo, qui a fait vidéo, qui ne nous pas identifier. Il y a plusieurs personnes avec qui en civil, qui lourdement armé, et les gens qui ont cagoulé. Ils n'ont pas un uniforme la police pour dire est-ce que c'est sécurité ou bien est-ce que c'est les policiers qui accompagnent. Moi, je dis, ministre, vous ne pouvez pas faire ça. Et l'arrivée juste dans la dernière étape, dans le bureau, madame qui est responsable service contrat.
Je dégage au Libou, il y a n'importe quelle étape pour arriver là. Il y a pris photo, tout le monde a traité contre eux. Il y a pris photo, tout responsable qui vous analyser et traiter contre eux. Et dans la zone Zamzodzou, c'est là nous avons tout dossier sensible. Dossier Bétogari de entreposé là. Dossier contre eux, quel que soit contre eux, dans les capacités dans le pays, il y a des villes qui ont entreposé là. Il y a pris des images, il y a pris des photos. Donc, l'homme vient dans la situation ça, et puis employé levé campé. Moins obligé, le premier ministre, pour me dire premier ministre, mais qui situation qui a développé les imminents, conseil des ministres, me dit bon, au contraire, sous le conseil des ministres, le ministre Nader a vu parmi moi qui est dans le conseil des ministres, tout. Le m'explique ça, les imm l'a brûlé. Effectivement, deux ou trois minutes, il relève, les imm comment la situation est, me dit PM, moins obligé, passer service sécurité pour fermer la barrière là, parce que y a des gens qui commencent à venir devant la cour. Il y a des gens qui cagoulent, qui ont des armes, mais qui n'ont pas uniforme de la police. Ils prennent des photos, ils prennent des images, les gens qui travaillent dans le pouvoir, ne pas connaître à qui fin. Et les gens, ça arrive demain matin, ils disent qu'ils ne viennent pas travailler, après demain, ils disent qu'ils ne viennent pas travailler, parce qu'il y a un phénomène d'insécurité qui a fait rage dans le pays. Automatiquement, je suis allé au JDP, je fais JDP à venir, JDP à verbaliser, pour des sons pour ces verbales, pour le temps d'employer mieux, pour garder côté. Le ministre est arrivé et le JDP a gardé tout, machine n'a pas une plaque. Et il a gardé tout, il y a des gens qui étaient cagoulés. Et les gens qui ont pris une photo, qui ont pris une image, nous faisons le JDP attendre tout pour nous rassurer nous que qui ça va faire avec vidéo ça, avec image ça. Et le premier ministre est venu, il parle avec moi-même, avec le conseiller et meilleur garçon qui là. Et puis ensuite, là, nous finissons d'échanger. Il a monté la machine, le ministre Nader, il parle avec elle. Je pense qu'il a échangé. Après, il a dit que. Faciliter la tâche pour le ministre quitter l'espace là et le moyen suivre service de sécurité pour qui permettre que le ministre Nader quitte l'espace là. Le premier ministre, une fois de plus, il dit que il présente excuse lui, ça son une situation qui vraiment est regrettable parce qu'il n'a pas souhaité, il n'a pas pensé ça à arriver parce que dans toute institution, lui-même, tout le ministre, il est premier ministre, c'est ministre et planification. Donc, c'est pour la première fois que je suis venu pour des comptes pour un ministre à déplacer, venir faire le minimum là, qui déposer dossier, porter dossier, alors qu'il y a un messager, qu'il y a un point focal, qui assure de suivre avec quoi, voir débarquer et à l'instar de Thibaut Bo, à l'instar de Bob Pitt, lourdement armé avec des monde cagoulés, lourdement armé, et a franchi tout espace qui est sensible en l'institution sans autorisation. Ni moi-même, j'ai institution, ni vice-président, ni conseiller, ni chef de sécurité avec des gens qui ont voulu.